C'est sans doute la dernière assemblée plénière qui réunit tous les députés de la province du Katanga. Les bureaux de l'assemblée provinciale ont pris acte du rapport de la commission des démembrements de la province du Katanga, geste qui entraîne la dissolution de l'assemblée provinciale. Et tous les députés doivent rentrer dans leurs coins respectifs pour constituer des nouvelles assemblées provinciales. Entre-temps, les gouvernements provinciaux en place expédient les affaires courantes avant l'élection des nouveaux gouverneurs. L'objet de la commission était notamment d'établir un état des lieux des provinces, dresser les passifs et l'actifs, mais également établir les patrimoines des provinces. Les patrimoines seront divisés par quatre d'une manière équitable pour ainsi permettre aux autres provinces de se développer. La commission a quand même fourni quelques recommandations, parmi lesquelles la création d'un cadre pour la récolte des recettes, mais également l'élaboration d'un programme de développement en mettant l'accent sur les infrastructures.